L'essentiel des demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire proviennent pour la plupart du Mali et du Burkina Faso. Concentrés au nord du pays, ils sont estimés à plus de 25 000 arrivés, dont 15 000 individus enregistrés. Ces données émanent de l'Agence nationale des Nations unies pour les réfugiés, HCR. Ce qui est particulier à cette crise de réfugiés, c'est qu'elle est provoquée par une situation sécuritaire au niveau du Burkina, ce qui appelle à ce que la composante sécuritaire prenne une place prépondérante. Ce n'est pas dans une crise humanitaire une situation régulière, commune. Mais en ce qui concerne les réponses de réfugiés découlant des situations de djihadisme oui. et autres, cette dimension sécuritaire est toujours à prendre en compte. En Côte d'Ivoire, le HCR est voué à protéger la vie, les droits des réfugiés, des rapatriés et des apatrides, d'où la construction de deux sites de réfugiés financés à 100% par le gouvernement ivoirien. Le côté positif, en tout cas, en ce qui concerne le travail que nous faisons ici, c'est la manière dont le gouvernement de Côte d'Ivoire a développé la réponse d'assistance à ces réfugiés. Principalement, ils sont dans l'extrême nord, parce que Choco et Cholobo, le Montagu, où deux sites ont été développés. Deux sites de réfugiés qui comprennent les maisons, donc le shelter dans le chez nous, l'accès à l'eau, l'accès à la sanitation, et le gouvernement nous permet aussi leur permet d'avoir accès à l'éducation et à la santé à travers un programme qu'on appelle le PSVIC2. Mais aussi renforcé par l'action des agences des Nations Unies à travers un programme de résilience qui a été développé bien avant l'arrivée des réfugiés sur la Côte d'Ivoire. Célébrée chaque 20 juin, la Journée mondiale des réfugiés de cette année est placée sous le slogan « De l'espoir loin de chez vous ».